La question était sur toutes les lèvres, Meghan Markle et le prince Harry seront-ils aux côtés de la famille royale en l'abbaye de Westminster pour assister au couronnement de Charles III le 6 mai prochain? La réponse vient de tomber. Le prince Harry assistera bien au sacre de son père. Mais sans son épouse Meghan Markle. Buckingham Palace a le plaisir de confirmer que le duc de Sussex assistera au service du couronnement à l'abbaye de Westminster le 6 mai. La duchesse de Sussex restera en Californie avec le prince Archie et la princesse Lilibet, a révélé la journaliste Rebecca English. Une nouvelle qui devrait provoquer la déception des fans du couple de Sussex. Ainsi le prince Harry fera l'aller-retour au Royaume-Uni, sans son épouse, ni ses deux enfants, les princes Archie et la princesse Lilibet. L'occasion pour la duchesse de Sussex de fêter dans l'intimité l'anniversaire de son fils Archie, qui tombe le jour du couronnement. Elle devrait être entourée par quelques proches et être épaulée par sa mère, Dori Araglan. Et accueil glacial en prévision pour Harry au couronnement de Charles III? L'absence de réponse du couple en exil commençait à donner de sérieuses sueurs froides aux organisateurs. La présence ou non du couple au couronnement avait viré au casse-tête pour la firme. Quelle place dans le cortège, quelle place dans l'abbaye de Westminster, quelles mesures de sécurité à adopter? La venue au Royaume-Uni du prince Harry devrait soulager Charles III qui comptait sur la présence de son fils pour ce grand jour. L'occasion leur sera peut-être même donnée d'avoir une discussion franche et de régler les différends qui les opposent. Il faut dire que depuis les révélations explosives du trublion de la couronne britannique, les relations sont extrêmement tendues entre lui et la famille royale. Entre les confidences dans leur série Netflix et celles dévoilées dans ses mémoires, le duc de Sussex a opéré un déballage sans précédent. Laver son linge sale en public lui a valu de nombreuses critiques et une cote de popularité en chute libre. Pour préserver sa famille des huées et d'un accueil glacial, le prince Harry a sans doute préféré affronter seul ce grand événement. Crédit photo, agence.